faire lecture ensemble avec vous dans la partie ça pour capable montrer un peu de ça nous parler. Sujet nous matin ou bien sujet nous après-midi, puisque l'air lui-même il est en fait nous défaut en pile. Et sujet, c'est avertissement aux croyants infidèles. Avertissement aux croyants infidèles. Et le sous-sa, nous allons apprendre aujourd'hui, il y a là-dedans trois points. Premier point, nous allons développer ensemble avec vous, c'est les causes et les caractéristiques de l'infidélité. Deuxième point, nous allons partager ensemble avec vous, c'est comment revenir à Dieu. Et troisième point, nous allons développer pour vous et pour nous terminer, nous allons prendre temps pile avec vous, c'est l'accueil de Dieu. Merci. Merci. Nous bien dit, premier point, c'est les causes et les caractéristiques de l'infidélité. Comment revenir à Dieu et l'accueil de Dieu. Bien aimé, dans Osée chapitre 11, verset 7, côté nous sommes, nous avons une petite note que nous écrit, on va excuser nous puisque nous écrit pour nous capables de partager ensemble avec vous. Et lui dit vraiment, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Nous voyons vraiment côté que bon Dieu qui sait pas nous, avant de commencer, nous demandons une fois encore, inclinez tête, nous va dire des mots dans la prière. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, papa nous qui en dans le ciel. Ou même qui se sous toute bénédiction, Seigneur. Ou même qui connaît parler, Seigneur, mon Dieu. Ou même qui connaît cœur, nous, papa, mon Dieu. Ça nous a besoin exactement dans le moment, ça, Seigneur. Mais c'est nous-mêmes qui campons derrière le micro, mon Dieu. Nous ne pouvons pas parler, Seigneur, mon Dieu. Nous ne pouvons pas dire rien qui est bon. Mais Seigneur, c'est vite dans le moment, ça capable d'utiliser nous pour nous capables de porter parole aujourd'hui. Nous prions tant, oui, Seigneur, papa. Nettoyez cœur nous, nettoyez bouche nous, ça nous parle dit Seigneur. Fait que mon Dieu, ça nous parle dit, mon Dieu nous parle dit, selon que nous connaissons, selon que nous sommes capables, Seigneur, mon Dieu. Mais nous prions dans le moment ça, on va utiliser nous, afin que cœur attendez, Seigneur, mon Dieu, non, nous va sortir béni à travers parole et nous on va glorifier, Seigneur. Pas qu'il y ait autant de dans le moment ça pour autant de, mais Seigneur, fais autant de, mon Dieu, parce que c'est parole qui parle libre, mon Dieu. Et nous prions, mon Dieu, on va toucher cœur à travers la parole ça. Nous prions au nom de Jésus-Christ, qui nous guérit au siècle des siècles. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et ça nous venir ensemble avec vous après-midi, en bien-aimé. Avertissement aux croyants infidèles. Et dans Osée, côté que nous sommes libres, côté que nous dit, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Nous voyons que côté que bon Dieu lui-même nous est capable de dire une sorte de regret que le gagne dans le cœur pour les hommes. Côté que tu as parlé avec un peuple Israël, qui c'était un peuple, et tant que nous connaissons le peuple Israël, c'est le peuple bon Dieu qui est même yoyé. Mais tu as fait ça qui est infidèle, ça qui n'est pas agréable devant Dieu, bon Dieu. Mais bon Dieu lui-même, en tant que un Dieu de compassion, en tant que un Dieu de grâce, en tant que un Dieu d'amour, il a toujours prouvé vraiment, il a toujours eu un regret dans le cœur. Il a toujours eu un bagage qui va aller bien lorsque lui a fait ça qui est bien devant lui. Mais il a arrivé à ce que nous-mêmes nous faisons vol de face, nous retournons vers nous joindre. Nous sentons depuis lorsque le pasteur Jean t'a prêché, t'a dirigé, il a commencé à prêcher le message là. À travers le pasteur Jean, lorsque il t'a prié, il a prêché ça, il a prié, il a prédit ça que nous avons dit dans le moment ça. Quand il t'a dit nous retourner, nous joindre, bon Dieu. Et c'est ça que nous portons pour dans le moment ça. Bon Dieu lui-même, il t'a remasqué, nous-mêmes qu'il a, nous n'avons pas le peuple d'Israël devant nous, mais l'Éternel désormais, l'a parlé avec cœur nous-mêmes qu'il a dans le moment ça. Il a un regret dans le cœur, il t'a remasqué, nous tous retournons vers joindre. Et nous joignons dans Jérémie chapitre 2, verset 19. Et dans le livre. Jérémie
Jérémie chapitre 2 verset 19 dit ta méchanceté et ta te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Après que le film dit toute parole, ça y est, lui-même encore le signer pour faire qu'on est vraiment. Et méchanceté ou a fait aller bien loin. Et fidélité ou a fait aller bien loin l'Éternel. Mais lorsque vous arrivez, d'un côté que vous arrivez, côté que tu as parlé avec le peuple Israël là, en tant que petit bon Dieu, on t'a dit, et sous ta grand petit tout, il t'a venu au moment de sentir qu'il n'est pas capable de rester la caille ou encore. Il y a un moment qui a privé, il y a un moment qui a l'a senti vraiment le besoin de retourner. Ça nous voulait faire sentir, côté que l'Éternel a parlé avec le peuple, ça, il fait sentir, côté que il est capable d'aller bien loin dans l'infidélité. Mais il connaît, il y a ouais, c'est un bagaille mal et amer qui a fait d'abandonner l'Éternel. Lorsque on abandonne l'Éternel, c'est un bagaille amer, c'est un bagaille qui n'est pas bon. Et que je dis à bon Dieu, mettez-en moi pour faire connaître. Si vous avez une route ou senti que la route n'est pas bon pour vous, que vous retournez, faites un vol de face, retournez vite joindre le Seigneur. Retournez vite joindre les tout prêts pour recevoir. Les tout prêts pour recevoir lorsqu'on reconnaît et ou pas bon devant lui. Et les filles dit parole ça, les siens, le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est lui-même qui dit parole ça. Dans chapitre 3, verset 20, dans le même livre là, Jérémie chapitre 3, verset 20, dit, mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. Et puis si il y en a encore, dit l'Éternel. Donc pour une femme qui est fidèle avec Marie, c'est comme ça qu'elle est fidèle avec moi. Mais nous jouons vraiment à côté que parole ça a écrit avec le peuple Israël. Mais tant que nous disons déjà, parole ça a parlé avec nous-mêmes aujourd'hui. Nous besoin de retourner vers joindre l'Éternel. Parce que c'est lui qui crée nous, c'est lui qui met nous. Côté nous aller si nous parlons dans le pied le Seigneur bien-aimé. Qui côté nous aller? Pas qu'aucun autre côté nous capable aller sinon rester dans le pied l'Éternel. Maintenant, nous parlons à qui ça bon Dieu lui-même. Tant que nous sommes dit, nous bon Dieu lui-même lui compare. Et peuple lui compare nous. Tant que une femme qui est mariée avec un homme. Et puis il fait infidèle sur lui-même. C'est comme ça bon Dieu lui-même lui compare et les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui et qui vraiment qui c'est un bagage qui pas bon devant l'Éternel. Premier point nous devons nous va développer pour vous maintenant c'est les causes et les caractéristiques de l'infidélité. Hébreux 3 verset 12 nous va ouais vraiment mal qui entend nous yo. Hébreux 3, verset 12, dit, prenez garde, ça sont faites attention. Ça nous dit tout à l'heure, il n'y a pas rien du tout. Pour y a l'Éternel à parler avec vous. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Faites attention, frère. Nous ne pouvons pas mettre frère au pluriel. Mais il n'y a pas seulement frère et soeur. Chacun de nous-mêmes qui l'a, moi-même qui a parlé ensemble avec nous. Faites attention. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Faites attention. Veillez sous vie nous, comme on a vécu avec bon Dieu, au point de se détourner du Dieu vivant. Nous jouons en plus le monde à marcher l'église. Il y a un moment qui arrivait, et le monde s'est fait pas qu'il retourne. Mais bon Dieu a prélé. Si tu as gagné dans salle là, nous pas pas gagné. Qui t'a gagné attention pour quitter chemin bon Dieu pour aller suivre mauvais chemin. Faites attention. L'Éternel ouais.
Si tu as dans nous-mêmes, dans le moment ça, qui a un cœur, qui n'est pas agréable devant Dieu, bon Dieu, mettez-le nous à te chercher présence de bon Dieu dans la vie. Nous. Cherchez bien bon Dieu dans la vie. Nous. On nous retenant bien bon Dieu pour ne pas tourner et regardons vers mon Dieu. Parce que lui, c'est papa, nous n'y pas jamais abandonné, il pas quitter nous. Mais il toujours un regret dans le cœur, les nous ensemble avec lui, il nous quitte, nous aller. Donc, pour un papa qui a des petits, les petits, ça, il quitte la famille, il aller, nous joindre. Pas bien, un cœur content. C'est comme ça, bon Dieu lui-même, il garde nous. Il n'est pas content ensemble avec nous lorsque nous avons marché ensemble avec lui, nous quitter. Dans Jérémie chapitre 8, verset 5 à 6. Et tant pour nous dire, on a fait lire ensemble avec nous. Et Jérémie chapitre 8. Si vous voulez vivre ensemble avec nous, lire ensemble avec nous, ou même, on va faire expérience par avec ça, nous allons dire. Mais bon Dieu, utilisez nos matériaux pour nous parler avec vous. Que bon Dieu capable bénir parole ça au nom. Jérémie chapitre 8 dit comme ça, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Pour qui ça, peuple Jérusalem, pour qui ça nous-mêmes, nous abandonner l'Éternel? Nous avons fait égarement. Nous avons persisté dans la tromperie. Nous refuser convertir. Et lorsque nous va sentir vraiment nous dans un mauvais chemin, nous sentir vraiment nous voulons convertir pour retourner venir joindre l'Éternel, il est tout prêt pour recevoir nous. Donc nous disons, bon Dieu, nous c'est un Dieu d'amour. Nous jouons dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu, nous c'est un Dieu d'amour. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Nous besoin veiller sur nos noms, nos bien-aimés. C'est ça que nous portons pour nous dans le moment ça. Ça c'est cause qui fait vraiment nous capables d'aller bien loin bon Dieu. C'est cause qui est capable de faire vraiment et nous infidèles dans Dieu bon Dieu, devant Dieu bon Dieu. C'est lorsque nous ne pas veiller sur nom nous. Mais le jour où nous t'as repenti, le jour où nous t'as entré dans nous-mêmes, nous dit bon, nous voulons marcher fidèles avec bon Dieu, il est tout prêt pour recevoir nous la caille. Il est tout prêt pour faire nous connaître lui-même qui papa nous. Dans Malachie 3, verset 7. Et nous lis ensemble avec vous. Nous courons ensemble avec vous, mais nous seulement marquer si ça fait au plaisir, si ça autant de jours dit à vous entrer dans l'amour. Et vous va apprendre. Et ça va un chemin, ça va déjà un chemin pour capable apprendre la parole de Dieu. Qui monde qui est venu à l'église, la paix bon Dieu avec nous. Nous sentons abdormi. Est-ce qu'on est ensemble avec nous? Quel monde qui vient à l'église, nous venons à l'église pour nous capables de chercher la présence de bon Dieu. Pendant ce temps, pour chita dans l'église, on va prier, mais l'esprit ou non, pas la vraie. Sous ce tout ça, nous pensons à un moment ça, on nous prend une direction pour nous capables de prendre ça, en charge pour nous capables de chercher la présence de bon Dieu. Amen. Chercher la présence de bon Dieu dans la vie. Nous. Malachie 3, verset 7 dit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Bon Dieu qui a parlé avec nous, ça c'est pas vrai, mais parole bon Dieu. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Qui dit parole ça? L'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Viens joindre-moi. Ça fait longtemps que nous avons fait ça qui n'est pas bon devant nous. Ça fait longtemps nous de refuser de changer route nous. Nous pas attendre ordonnance moi yo. Mais jodi a retourner venir joindre moi. Et moi même m'a retourner venir joindre.
Ça c'était premier point leçon. On a couru ensemble avec vous. Deuxième dans l'ici, comment revenir à Dieu? Comment nous sommes capables de venir vivre joindre bon Dieu? Mais comment nous sommes capables de joindre bon Dieu? En nous lisant Esaïe 55, verset 7. C'est déjà l'air pourri tout bien aimé. Est-ce qu'il y a un monde qui joue? Ok, regardez. Esaïe 55, verset 7 dit que le méchant abandonne sa voix. Pardon. Que le méchant abandonne sa voix. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est pour nous quitter mauvaise voix nous. C'est pour nous quitter yo. Pourquoi pas jouer face, mon Dieu? C'est premièrement, c'est pour quitter les œuvres et que nous avons fait qui pas bon devant Dieu, mon Dieu. Nous devons quitter et puis retourner nous jouer, mon Dieu. Pour ça, nous jouer avec mon Dieu. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mon Dieu, nous sommes un Dieu d'amour. C'est comme ça que nous sommes capables. Et joindre avec présence mon Dieu. Nous joignons tout, nous ne pouvons pas lire toute parole, ça veut dire que nous sentons nous avons parlé en plus, nous ne pouvons pas le décourager, nous voulons à ce que nous prenions ça nous a dit là dans deux chroniques. Nous n'avons pas besoin de lire si ou capable de lire peut-être la caillou. Et nous allons vraiment côté que. Et dans 2 Corinthiens chapitre 15, verset 4, côté que bon Dieu, lorsqu'on va faire ça, on va vraiment, côté, on prend décision pour chercher bon Dieu, et bon Dieu était déjà là à prendre l'autre décision pour chercher. Dans 2 Corinthiens chapitre 15, verset 4. Et c'est là que nous finissons ensemble avec vous, avec le deuxième point. Hein? Et nous parlons entrer ensemble avec vous, et nous avons dit vraiment, nous allons toucher pour ça ensemble avec vous. C'est dans Luc chapitre 15, verset 14 à 18. Nous allons toucher pour ça qui c'est l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est un jeune garçon qui t'a vivre là avec les parents. C'était un jeune garçon qui n'a pas besoin de rien, qui a tout ça de besoin. Il n'a pas de problème grand goût, il n'a pas besoin de radio pour te mettre parce qu'il a tout le bagage ça là avec lui. Mais il y a un moment qui est arrivé. Les vieux moments, ça vient d'entrer dans la tête jeune. Nous, c'est comme ça, on fait là dans le fait. Si tout ici aux États-Unis, depuis qu'il y a 18 ans, il dit bon, il n'y a pas prêté la caille par un encore. Mais nous, les jeunes, ça, tu es arrivé dans un moment, il te dit papa, il n'y a pas de l'été encore. Il tout bien, il bien pas portion bien pas qui réservé pour lui-même. Et ça t'est fait tant que nous connaissons l'histoire, il n'y a loin ensemble avec vous. Non, Luc chapitre 15, verset 14 à 18, lit l'histoire ou même on apprend plus de lui-même. Nous, jeune garçon, ça, tu es obligé de quitter quand il parle et il t'a vu dehors. Et lorsque vous avez l'argent bien aimé ou une belle machine, surtout aux États-Unis, je dis, ma présence, ça montre ici, parce qu'il a vu Jodia. Lorsque vous avez l'argent ici aux États-Unis ou une belle machine, mon cher, vous avez un pile zombie, attendez. Vous avez un pile zombie. Mais quittez d'où? Les jours que vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas de l'argent encore, tout le monde a viré de Dobao. Mais c'est le seul monde qui va virer de Dobao, c'est qui l'esprit est bien aimé. C'est seulement l'Éternel des armées qui va virer de Dobao. Ça veut dire, lorsque vous avez l'argent, il ne va pas dire rien. Lorsque vous avez une belle machine, il pense que vous avez sorti avec lui, il ne va pas dire rien. Mais ça qui est bon, qui est utile pour la vie éternelle, c'est lorsque vous avez l'Éternel des armées dans la vie. C'est lorsque vous avez marché dans une route, dans une mauvaise route, et pour faire un vol de face, ou faire un U-turn, nous sommes capables de dire. Un U-turn. Et nous avons une route qui est longue, bien aimé. Et dans une route longue, ça n'a pas aucun U-turn. Mais il faut que vous courez un peu pour essayer de vous exit si vous êtes un monde qui n'a pas une route ou un problème. Mais avec mon Dieu, lorsque vous faites un U-turn, quand vous faites un U-turn, vous avez un côté, une route exactement. Et tu es dans
décision pour faire nous tenant exit la tête est tout prêt pour faire l'Éternel qui est déjà là devant et on va rencontrer avec nous ça on a lu ensemble avec vous et nous pas quitter vous dans Luc chapitre 15 verset 20 20 et 22 on a lu Luc 15 Luc chapitre 15 verset 21 il dit mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et l'en reverter. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vue, à la vie, pardon. Il était perdu et il est retrouvé. Voilà. Fils ça, qui t'a quitté la caille par un lit. Eh bien, il t'a fait un U-turn, il t'a besoin de retourner après qu'il t'a fini de passer tout mauvais moment, toute saleté gagnée, il t'a fini. Il n'a pas de manger encore, tant qu'on connaît l'histoire. Il t'a besoin d'aller au travail, la caillon habite dans la zone, il t'a cochon manger. Et il t'a veillé, même manger cochon, il n'a pas de capable de manger. Eh bien, là, il t'a fini de reconnaître que le thé pas de bon, il t'a pensé. Et dans la route, ça n'a pas de bon, il t'a retourné. Et papa t'a recevoir. Bon Dieu, après ce voile, nous toujours t'y a bien aimé. Si nous prenons une décision pour nous tourner ensemble avec lui, retourner dans le pied. Il est tout prêt pour recevoir nous. Maintenant, troisième point, et puis nous finissons ensemble avec vous, c'est la nouvelle. C'est l'accueil de Dieu. C'est ça nous sommes là ensemble avec vous. C'est lui-même qui l'accueil de Dieu. Bon Dieu, pas quitter nous, il est toujours là ensemble avec nous, il a accueilli nous. Maintenant, nous ne pouvons pas rester plus ensemble avec vous, mais seulement ça m'a dit. Point principal, nous t'avons partagé ensemble avec vous. Je dis à bien aimé. Même les nous-mêmes qui parlons, nous ne doit pas être dans nous-mêmes, mais ça n'a pas la bien aimé, ni bon pour nous. Chercher, on nous cherche. Présence, bon Dieu. Vous connaissez bien aimé, si nous tous qui là, nous pas en pile, nous tous ensemble, nous te mettons tête nous ensemble pour nous chercher présence, bon Dieu. Il y a des gros bagages nous t'apprêtons devant nous. Il y a des gens qui sont malades, nous avons prié pour eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin de parler en plus parce que nous avons le même cœur. Nous sommes les Philippiens qui disent au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ça veut dire nous bien là. Nous bien. Si nous tous, même l'homme, nous avons prié. Même cœur. Nous avons tête ensemble. Nous avons prié pour Dieu. Ça n'a pas nous n'avons pas capable de jouer. Parce que bon Dieu nous a une puissance. C'est peut-être ça. Nous allons terminer ensemble avec vous. Dans un chant qui c'est. 295 et nous allons terminer ensemble avec vous. Chanter ensemble avec vous, nous bien aimés. Pas découragés, nous ne connaissons pas nous prenons trop de temps dans l'heure, mais nous espérons le peu que nous dit, ou bien en pile que nous dit, il va bénir nous. Nous allons chanter un numéro ça, qui c'est dans 295 et terminer ensemble avec vous à la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse. Alléluia. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui
cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Partout, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Quand on va péter au debout, on va chanter des découplés. Tel que je suis encore. Alléluia. Que le Seigneur vous aide.